J'ai les mains sales. Tous ces contrats s'entassent autour de moi. Je n'ai plus le cœur à les remplir. J'entends encore tous les hurlements dans ma tête. Les hommes, les femmes, les enfants. Je suis un monstre, un lâche. Ça va bientôt faire un mois que je refuse de continuer à faire mourir les gens. Je me suis totalement coupé du monde extérieur. Même si personne ne s'en doute, je suis coupable. Bonjour, je suis votre nouvelle voisine, je viens juste d'emménager. Je voulais me présenter. Je vous ai fait un gâteau. Bonne journée, monsieur. C'est rare qu'on me rende visite. En général, c'est plutôt moi qui me déplace. Mathilda Vanberg, vous êtes ? Je ne sais pas si j'ai bien fait de lui dire qui j'étais. C'est pas facile d'expliquer à quelqu'un qu'on est la mort. Elle a dû me prendre pour un fou, mais elle m'inspirait confiance. Je crois que j'avais besoin de ça. Parler à quelqu'un pour être sûr de ne plus recommencer à tuer ces gens. On a continué à se voir. On est même devenus assez proches. Ça n'avait pas l'air de l'effrayer plus que ça de côtoyer la mort. Il lui arrivait même de s'en moquer. Eh ben dis donc, on se fait pas chier à ce que je vois. La mort s'offre une piscine, tranquille. C'est pas parce que je tue des gens que je peux pas me détendre. Vous vous sentez bien ? Je vous trouve un peu bizarre ces derniers temps. Ouais, je suis un petit peu fatigué. Vous allez pas mourir quand même ? Ça serait con. Bougez pas ! Ne soyez pas intimidé par la caméra. Je peux vous poser une question ? Oui. Vous savez quand est-ce que je vais mourir ? Ça marche pas comme ça. Je peux pas le savoir à l'avance. J'exécute. Avec une faux et une grande cape noire ? Elle est si gentille. Si souriante. Elle me fait rire. Elle prend tout à la légère tout le temps. Je crois que je commence à m'attacher. Mais il faut que ça cesse. Tout ça à cause d'elle. Si la mort ne tue plus, elle n'a plus de raison d'être. Il faut que je réagisse. Sinon, je suis voué à disparaître. Il faut que je le fasse.